Good morning, everybody. I'm quite happy about the performance that Ivory Coast has done so far. Finishing on top of the group stage was one of the targets. Going through to the next round was the main target as well. So congratulations to the boys, to the all the staff. Now it's finished, it's behind, and we have to focus on what's coming through with a tough game against Egypt. The Pharaon, I know them very well. It's a massive team with a lot of stars on the jersey and on the pitch. So we just have to continue our way and to play as a team. So far, I think we have the potential to continue our way. Thank you very much. Effectivement, si on regarde notre parcours, on rencontre chaque fois des grosses équipes, des grandes équipes qui ont une grande expérience de la compétition. Si je regarde cette équipe, c'est une équipe qui est très expérimentée. Les joueurs jouent quasi tous en Égypte, donc ont l'habitude des conditions africaines, on va dire. Ils sont toujours au rendez-vous. Même sans forcément faire de grands matchs, ils sont jamais loin. Ils ont un entraîneur qui a une grosse expérience. J'ai une certaine admiration pour son parcours. Il a connu les plus grands clubs en Europe, il a connu les Coupes du Monde. Il a entraîné dans quasiment sur tous les continents, donc il a une grosse expérience. Des joueurs de génie avec forcément Mossala et puis d'autres joueurs qui sont irrésistibles. Donc je disais, même sans forcément tourner à plein régime, ils sont dangereux. Donc ce sont des matchs à élimination directe qui peuvent se jouer 90 plus 120 plus. Donc tout va être important à gérer. Et voilà, on se prépare en sachant qu'en face on a une équipe qui peut s'adapter aussi tactiquement. Ça va être un match très tactique qui peut être très fermé, mais qui s'annonce passionnant. Nous connaissons forcément les équipes nord-africaines et les matchs de poule sont quelque chose et puis les matchs à élimination directe autre chose. Et ces équipes-là sont redoutables lors de ces matchs parce qu'il y a un aspect psychologique important. Je le disais, s'il y a une similitude entre l'équipe tunisienne et égyptienne, c'est que leurs joueurs jouent au pays dans des grands clubs, en Tunisie avec l'Espérance de Tunis, avec l'Étoile de Sahel, etc. etc. L'Égypte, c'est la même chose avec Al Ahly, avec le Zamalek, avec ENPI, avec Pyramide. Donc ce sont des joueurs qui ont l'habitude des conditions africaines. Félicitations à vous, la Tunisie, pour être venu à bout d'une équipe du Nigeria irrésistible et séduisante sur les phases de poule. Mais encore une fois, la vérité, c'est le match suivant tout le temps. On oublie vraiment ce qu'on a fait, ça nous sert de confiance. C'est bien ce qu'on a fait, mais on n'a encore rien fait. C'est le message que je dis aux joueurs, profitez, savourez, le soir même après le match de l'Algérie, savourez, mais dès le lendemain, c'était boulot, c'était concentration, c'était détermination, c'était récupération, et tous ces mots qui font qu'une équipe se construit jour après jour. Mais on est averti, on sait très bien que psychologiquement, les équipes nord-africaines sont parfois, je dis bien parfois, au-dessus parce qu'elles savent gérer la pression. Elles acceptent parfois de ne pas avoir, entre guillemets, le ballon, de souffrir. Et c'est tout un état d'esprit que ces équipes ont. Et que parfois, je dis bien parfois, les équipes subsahariennes pourraient manquer. Voilà. Mais nous sommes avertis. Nous regardons les matchs, nous discutons, nous échangeons avec les joueurs et nous savons que ce sera un match fermé, comme je disais, tactique. À nous de jouer avec nos forces et de rester unis de la première minute à la fin. Et je pense qu'on aura notre mot à dire dans cette rencontre. L'état de l'infirmerie est quasi vide. Ousmane Ouattara souffre d'une petite lésion musculaire au niveau du mollet. Sinon, tous les autres joueurs sont sur le pont. Et Dieu merci, nous n'avons aucun cas Covid pour le match de demain.
Oh, il aime le Yassa Poulet.